YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, bonjour, bonsoir, nous comptons rejoindre nous. L'autre fois encore sur la plateforme d'Elva Calcio, bon boule, pour nous porter pour vous un nouveau numéro, bon boule pour semaine. Pour faire ça rentrer la caillou, c'est grâce à support toute l'équipe là. Nous profitons de vous pour Johnny Madelva, nous big up Eder, nous big up également Yeyou Gonzalez Blanco, nous vous big up pour Donned, pour Riva, nous vous big up pour Don Ismaël, et puis Hérode Augustin. Nous bon respect, sans ne pas oublier saluer tous les amis qui décident de faire route avec Delva Calcio Football, équipe supporter Delva Calcio. On a parlé d'Excel Medical Associates, Intim Financial Services, Natil Construction, First Class Enterprise, Roman Barber. Nous bas, nous tous respect. Nous connaissons depuis semaine dernière là, éliminatoire Coupe du Monde, États-Unis, Mexique, Canada, démarré. Mais chaque fois nous arrivons dans la phase A, le public haïtien toujours intéressé à l'éliminatoire Coupe du Monde zone Amérique du Sud. Nous on est là, le Brésil et l'Argentine. Nous on est haïtien, pas négocier Brésilien, nous pas rentrer dans le gouvernement, nous pas négocier Argentine. Bon, m'a même besoin de parler. Pour qu'on y a même, fanatique Argentine, nous finissons. Awoyo, et me profiter de saluer. Docteur Casimir Guito, sous track, ça cap sur moi. Et depuis les organes, sont inconditionnels fans de Delva Calcio. Bon boule, docteur Casimir Guito, son ami d'enfance. Nèg Richard Brisson représente. Nous bah respect toujours là. Il va jamais rater aucune émission de Delva Calcio. Bon boule. Donc, docteur Casimir, nous bon respect. Même Jean, nous avons gros big up au DP Caleb Delam. Oui, nous avons dit nous, Haïtiens toujours intéressés par éliminatoire Coupe du Monde zone Amérique du Sud, parce que c'est là l'Argentine et le Brésil situés. Bien, semaine dernière, mesdames et messieurs, de Goto Royo et coup d'envoi éliminatoire Coupe du Monde 2026, États-Unis, Canada, Mexique. Équipe Argentine, non, nous avons parlé de l'élite et joué contre Équateur. Argentine fait une victoire 1-0 face à l'Équateur. Et c'est Lionel Andrés Messi qui démarquait Green Goal là. Après Goal ça, Messi est tellement senti fatigué, il est obligé de demander coach Scaloni remplacer. Eh bien, nous ne pouvons pas parler de Messi, nous parlons de Messi déjà, il a parlé de Messi chaque jour. Mais aujourd'hui, nous allons parler de Neymar Junior qui dépassait Edson Arantes de Nascimento après une belle victoire de la Seleção face à la Bolivie, sur le score de 5 buts à 1, le Brésil qui démarrait tout feu tout flamme, éliminatoire Coupe du Mondiaux, par une écrasante victoire sous équipe bolivienne, 5 goals à 1, donc un doublé de Neymar Junior, ça qui permet Neymar Break, record Pelé, hein, et désormais, Neymar, c'est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne avec 79 réalisations. Avant match ça, face à la Bolivie, Neymar était ex aequo avec Pelé de regretter mémoire 77-77, mais vendredi passé, Neymar a frappé deux fois, il est capable de faire trois goals dans le match là. Puisque Ney a raté un pénal, mais M. Tabral reprend par la suite et scoré à deux reprises. Et désormais, Neymar, c'est le meilleur buteur, c'est le Saroua. On nous dit, mesdames et messieurs, Neymar a gagné quelques temps. Il n'a pas joué pour cause de blessure. Nous songeons qu'il n'a pas terminé saison dernière avec Paris Saint-Germain. Il passait toute intersaison, m'envie dit, à l'infirmerie. Et tout récemment, Neymar a été transféré dans le club Al Hilal en Arabie Saoudite. Neymar beaucoup joué aucun match avec l'équipe Al Hilal. Pourtant, il était balé en présentation 5 étoiles, digne d'un gros superstar qui débarque en côté, il mettait tout le monde dans la poche, en pile feu d'artifice, et il fait hé pour Neymar, il clair un stade, chargeait tout le monde. Et Neymar Junior rivé en Arabie Saoudite,
un gros tonton superstar et contrat Arabie Saoudite là, fait de Neymar le nouveau milliardaire du football et monsieur rejoint nos cercles très fermés Cristiano Ronaldo avec Lionel Andrés Messi. C'est vrai que le dernier classement Forbes là pour qu'on sorti, mais pas de doute. Si le classement sorti demain, si Dieu veut, non, Neymar pas capable de figurer là-dedans. S'il sorti après-demain, s'il sorti en octobre, quelle soit l'heure sortie, hein, non, Neymar pas figurer dans le classement sportif milliardaire. On n'est pas grand pile. Green qui gagne, nous ka cité sous douette, nous connaissons Michael Jordan, nous connaissons Lionel Andrés Messi, nous connaissons Cristiano Ronaldo, nous connaissons Mayweather, qui est encore premier milliardaire dans ce sport-là, nous tous connaissons Tiger Woods. Et Neymar pour intégrer cercle, encore liste, très court ça, de sportifs qui gagnent milliards de dollars pendant qu'ils jouent au football. Alors, ce n'est pas de ça nous parler, nous avons parlé de ça déjà. On a parlé des records, nouveaux records, Neymar. L'Elvini, meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne, à 31 ans, monsieur gagné 79 goals. On nous garde rapidement top 10, mesdames et messieurs. Donc, nous sommes tous là, Neymar en tête avec 79 goals. En deuxième position, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, de regretter mémoire, avec 77 goals. Troisième, Ronaldo Luiz Nazário da Lima, R9 pour les intimes, avec 62 goals. Romário da Souza Farias, champion du monde 1994 avec le Brésil, avec 55 goals. Zico, bel joueur, mais qui n'est pas un champion du monde, il a 48 goals en cinquième position. Sixième, Tibébéa, champion du monde 1994, ensemble avec Romário. Et puis, Rivaldo, champion du monde également avec le Brésil. C'était en 2002 en Corée du Sud et au Japon. Et puis, en huitième position, nous avons Jairzinho, qui a 35 goals. Alors, Rivaldo qui a 35 goals. Jairzinho, 35 goals. Ronaldinho, Gaúcho, Joël Daril et Ronaldinho, monsieur qui a 33 goals. Et puis, Ademir, fermé, top 10 avec 32 réalisations sous les couleurs de la sélection brésilienne. Mais moun, le peuple brésilien a pensé, c'est jeudi, y a chéri, y aurait le Neymar. Bien avant match là, Neymar, en conférence de presse, et faire qu'on est que, quoi qu'il a joué en Arabie Saoudite, mais ça pas vrai dit, et pour autant, il n'a pas toujours gagné les mêmes ambitions, à savoir remporter la Coupe du Monde avec le Brésil. Neymar dit, rien va changer, il a toujours été même Neymar, il a continué à jouer même football li, avec un pile vista, un pile classe, un pile détermination, un pile tire la chérie, un pile tire caresse boubout, avec même objectif là, quel que soit pays l'a joué football là. Eh bien, Neymar, j'en ai tout là, et qui a joué Kounia à Lille, mais malheureusement, monsieur Coco jouait un match du tout, mais avant match du Brésil là, en conférence de presse, eh bien, Neymar déclaré avec des noms ronflants du football mondial qui débarquaient dans Saoudi Pro League, eh bien, ça pourrait permettre très certainement que Saoudi Pro League vienne meilleur championnat que Ligue 1, ce que Français n'ont pas apprécié. Eh bien, Neymar, qui pour que jamais joué aucun match, je nous dis là, pour cause de blessure, mais Kounia nous a dit pas blessé, puisque l'enlève, la joie de Brésil, avant hier, il dépassait Pelé en termes de joueur qui fait plus de goals avec Seleção, à coup sûr, après match face au Pérou, mardi prochain, si Dieu veut, Neymar ne doit pas même tourner au Brésil, il a tout pris un avion pour aller directement en Arabie Saoudite pour l'honorer honorer contrat. Donc, Neymar, mesdames et messieurs, qui très certainement a essayé remonter, digérer élimination Brésil en quart de finale dans la Coupe du Monde 2022. Donc, 9 mois après une grosse désillusion au Qatar,
eh bien, Neymar retrouver le goût du terrain et le goût avec la sélection brésilienne après une belle performance 5-1 et on doublé pour Neymar qui vini le meilleur buteur de l'histoire de la Seleção. Et bien, dans l'interview ça que Neymar bail à médias brésiliens au Globo, il y en a plus populaire média au Brésil, eh bien, Neymar a dit il sent-il très heureux le fait que il quitte Paris Saint-Germain pour aller jouer dans Al-Hilal en Arabie Saoudite. Vous déposez la question sur compel ami Lionel Andrés Messi. Je dis, il est très heureux également pour Lionel Messi, mais en même temps triste. Il dit, Messi saute réaliser un bagage extraordinaire avec Argentine. Messi saute fait Argentine champion. Alors là, c'est Neymar qui a parlé, mesdames et messieurs. Monsieur dit, Messi saute fait conseil de bagaille extraordinaire avec l'Argentine. Pourtant, avec Paris Saint-Germain, Messi te connaît l'enfer. Tu ne dis pas Messi seulement, on dit moi-même tout. Donc moi-même avec Messi, c'est tellement difficile pour nous à Paris, c'est comme si nous l'enfer nous taillait. Mais monsieur dit, grâce soit rendue à Dieu, ni moi-même ni Messi, nous sommes dans l'enfer. Messi dirige vers l'Amérique et moi-même, je lague comme moi dans le golfe Persique. Donc, parole ça, yo, levé en pile plume, nous capables de dire, sous dos français, yo, quand ils apprennent que Neymar a dit, Saoudi pour Ligue, pour venir un meilleur championnat que la Ligue 1. Et Neymar a été cité, il dit, l'on est dans le Cristiano Ronaldo, vient dans le championnat. Karim Benzema, ballon d'or en titre, vient dans la première ligue. Il y a Koulibaly, un solide défenseur central. Monsieur embarqué, sans compter Firmino, gagné Fabinho, gagné plusieurs autres jeunes éléments qui refusaient de contrat dans un gros club européen, qui choisissent signer dans Saoudi pour Ligue 1. Neymar dit, nous mettons bon bagage sérieux qui pourrait le faire là. Il n'a pas oublié citer Sadio Mané, que Neymar a cité parmi les meilleurs footballeurs qui a évolué dans un gros club en Europe, mais qui décide de venir dans Saoudi pour Ligue 1. Neymar dit, nous mettons, nous prenons le résultat. Puis devant, Nadim de dit nous ça, Saoudi pour Ligue 1, il pour dépasser Ligue 1, ce que Français n'ont pas jamais digéré. Donc, mesdames et messieurs, Neymar Junior, comme je vous le disais tout à l'heure, crasé au Copa América et désormais, Neymar, c'est le meilleur buteur de la sélection brésilienne avec 79 réalisations. Prochain match, équipe Brésil là, c'est pour mardi prochain si tu veux. Il a joué à Lima, au Pérou, à compter de 8 h du soir. Donc, le Brésil va derrière en victoire en déplacement face au Pérou, en espérant que l'Argentine ne fasse faux pas sous tête monde en Bolivie. Alors, l'Argentine a fini de jouer avant le Brésil, l'Argentine a 4-3. Donc, avant coup d'envoi, Brésil-Pérou, il y a déjà un résultat argentin. Eh bien, il t'a remis, fini en première position, qualifié pour faire finale Coupe du Monde, là, qu'a fait aux États-Unis, Mexique, Canada. Et Neymar a dit, rien va changer. Il y a même objectif là. Il toujours pense à Ballon d'Or. Mais puis, gros rêve là, c'est permettre Brésil mettre une sixième étoile sous maillot jaune et vert. 305 206 0022. C'est le numéro de téléphone ça pour composer. Pour capable commander un paquet de produits pour supporter la plateforme Delva Calcio Bomboule là. Toujours dit nous. Delva Calcio Bomboule, je vais mettre numéro Zelle, Cash App, PayPal, pour le dire, aider le mettre quoi pour lui. Et travail, nous, qu'on travaille, nous continuons de travailler. Donc, si tu as aimé supporter nous, si tu as aimé le travail qu'a fait là, mon TikTok, mon Instagram, mon Facebook, YouTube, yo. Non seulement nous partager des vidéos pour nous, mais faire commande, paquet de produits, nous. C'est la meilleure façon pour nous aider la plateforme à grandir. 305
206 0022. 305 206 0022. Nous gagnons un produit pour vendre, mais nous gagnons un produit pour louer. Soit on organise une fête, baptême, mariage, première communion. On fête anniversaire, petit tout. 305 206 0022. Commande équipement ça a eu, besoin de flatterie pour mettre la croix, besoin d'un bon massage à glace, nous avons équipement ça a eu, ou besoin de spa, nous pas de danger, nous restons et nous gagnons, ou besoin d'une plateforme pour nous amuser. Relez-nous, 305 206 0022. Et si vous besoin appareil 360, 360 degrés pour faire selfie, pour faire vidéo, pour faire belle photo. Pendant qu'il a tourné tout le monde avec vous, 305 206 0022. Rélez-nous, faites quoi maintenant? Et c'est la meilleure façon pour supporter, pour aider la plateforme Delva Calcio Bomboula. Continuez, si bonhomme de chemin.